Est-ce que vous allez être candidat à la présidence de la... Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, les débats sont beaucoup autour de la personne. Mais le débat le plus important, c'est ce que va proposer cette personne pour l'avancée de notre football national. C'est ça qui va être très important. Qu'est-ce que va proposer cette personne? Qu'est-ce que va proposer, que va-t-il proposer comme équipe? Quel est le projet d'accompagnement au niveau des clubs? On l'entend, les clubs souffrent énormément. Quel est l'accompagnement? De quelle sorte vont-ils être accompagnés? Etc. La structuration de notre football, etc. Ça, c'est les sujets qui doivent être abordés et que vous devez être abordés. Et peut-être que certaines personnes qui sont candidates à travers des face-à-face sur des plateaux télé pour échanger leur programme, ça pour exposer leur programme, avoir des avis, ça pourrait être intéressant dans un jeu démocratique dans notre pays. Donc ça, c'est des éléments importants. C'est pas important si moi je me présente ou pas aujourd'hui. C'est pas important si moi je me présente. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que notre football continue à avancer. C'est ça qui est important. C'est qu'on ait des gens qui soient investis d'une mission noble et désintéressés personnellement pour continuer à servir le football national. C'est le plus important. Si un jour la responsabilité doit me revenir de représenter notre pays, je le ferai comme je l'ai toujours fait, avec la plus grande fierté possible et la plus grande intégrité possible. Ça, c'est ma position à moi. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire je me présente ou je ne me présente pas. Je dis aujourd'hui, on est dans un pays où on souhaite le mieux, le meilleur pour notre pays. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.